5 sources d'inspiration. Voici la première, la décision. Prendre une décision peut initier un nouveau chemin. Certaines décisions sont mineures et anodines, tandis que d'autres constituent une part importante de la journée de travail. Cependant, il arrive que la prise de décision marque l'un des jours les plus significatifs de votre vie. Il peut s'agir d'une décision que vous avez repoussée à plusieurs reprises et dont vous réalisez maintenant les implications. Vous savez que vous devez agir et finalement vous concluez que « aujourd'hui est le jour où je décide ». Que vous choisissiez d'emprunter une nouvelle voie, d'affiner votre philosophie ou d'agir de manière inédite, vous déterminez une série d'actions à entreprendre. Prendre une décision peut faire de votre journée un moment incroyablement inspirant. De plus, prendre une décision peut parfois déclencher un processus d'amélioration de l'estime de soi. Parfois, en y repensant, le jour où vous avez pris la décision est presque aussi exaltant que celui où vous avez finalement accompli votre projet. Après avoir pris la décision, vous avez réussi à vous « débarrasser du singe », comme l'on dit en anglais. Vous avez surmonté les obstacles qui vous empêchaient de prendre cette décision. Enfin, vous avez pris une décision, et maintenant, le ciel semble plus bleu, l'air plus clair et votre esprit plus vif. L'adrénaline commence à couler, et à partir de ce moment de décision, les choses commencent à se mettre en place. Cela peut donc être une source d'inspiration incroyable. Cependant, si vous n'agissez pas, cela ne durera pas très longtemps. Si vous prenez une décision, puis la reportez, si vous prenez une décision et que vous ne passez toujours pas à l'action après une semaine, un mois ou un an, toute cette énergie et cette source d'inspiration se dissipent. Prendre une décision est donc une source d'inspiration, mais pour une durée limitée. Cependant, une fois la décision prise, cette journée peut être très puissante. Mais maintenant, il est évident que vous devez passer à l'action. Si vous avez des choses que vous remettez à plus tard, des décisions que vous n'avez pas prises, je vous encourage à prendre votre journal et à examiner ce que vous avez reporté. Ne serait-ce pas mieux pour ma santé? Ne serait-ce pas mieux pour mon avenir? Cela ne pourrait-il pas améliorer ma situation financière? Peut-être qu'un problème doit être résolu. Je dois décider de quand et comment je vais le faire. Il faut que je passe à l'action. Je vous promets que si vous passez en revue ces listes et que vous commencez à prendre ces décisions, votre inspiration commencera à affluer. Ces jours pourraient être très importants et stimulants. L'indécision est la voleuse d'opportunités. L'indécision signifie que la porte reste fermée. L'indécision signifie que l'opportunité attend. L'indécision signifie que ce qui aurait pu être est reporté, voire jamais réalisé. Vous connaissez déjà ces conséquences de l'indécision. Parfois, nous ne pouvons pas prendre une décision rapidement, nous ne pouvons pas décider immédiatement d'une chose aussi importante. Mais après un certain temps, nous devons comprendre que le report de notre prise de décision peut avoir des conséquences. Donc, une source d'inspiration, la décision. Voici la seconde, la planification. Maintenant que vous avez pris une décision et que vous commencez à établir des plans, il est incroyable de voir ce qui peut surgir comme source d'inspiration lorsque ce qui était dans votre tête, dans votre imagination, commence à prendre forme sur le papier. Lorsque j'ai entendu parler du marketing de réseau pour la première fois, j'avais 25 ans et j'ai écouté certains témoignages. J'ai entendu parler de personnes devenues riches, de vies transformées, de la possibilité de partir de rien et de devenir quelqu'un. Cependant, ce qui a été vraiment passionnant, c'est lorsque j'ai finalement pris la décision de faire partie de l'industrie, d'intégrer le marketing de réseau à mon avenir. Ce qui a été réellement enthousiasmant, c'est lorsque je me suis assis et que j'ai commencé à élaborer des plans. J'ai commencé à transcrire mes idées et convictions sur le papier. J'ai commencé à les noter, à dessiner des cercles, en me demandant si j'en avais 5, si j'en avais 10, et comment je pourrais atteindre ces chiffres. Le processus de planification a été une incroyable source d'inspiration pour moi. Le plan semblait commencer à matérialiser ce que j'avais envisagé, ce dont j'avais rêvé. Cependant, on peut faire tous les plans du monde. Cela ne reste qu'une source d'inspiration limitée dans le temps. Vous pouvez faire un plan, puis un autre. C'est une source d'inspiration excitante, mais éphémère. En faisant des plans, cette inspiration ne durera probablement pas une semaine. Cette inspiration doit maintenant vous amener au point numéro 3. La première source d'inspiration est la décision, la deuxième est la planification, et voici maintenant une grande source d'inspiration. Le commencement. L'action de commencer, de concrétiser vos pensées, vos notes sur le papier, vos plans, c'est-à-dire de les mettre en œuvre, est une source d'inspiration incroyable. Lorsque vous commencez à changer votre régime alimentaire, à prendre un produit Herbalife, vous pouvez affirmer « Je suis sur une nouvelle voie, j'ai pris un nouveau départ, je suis sur la voie de la santé la plus incroyable, je ne serai plus jamais le même, je suis une nouvelle personne, j'ai pris mon premier chèque, j'ai avalé mon premier comprimé, j'ai fait mon premier tour du pâté de maison, j'ai commencé. » C'est une source d'inspiration incroyable que de commencer.
Vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut arriver à votre estime de soi lorsque vous commencez quelque chose de nouveau dans tous les domaines de votre vie. Peut-être avez-vous toujours pensé à faire preuve de bienveillance, mais vous n'avez pas commencé. Vous n'avez pas fait de plan, vous n'avez pas pris de décision. Je vous invite à commencer à concrétiser ce qui est dans votre tête, à utiliser cette inspiration, puis à faire des plans, à utiliser cette inspiration et à franchir ce premier pas. Ce premier pas peut être le début d'un voyage incroyable. Quand Marc a organisé sa première réunion, recruté son premier distributeur, acquis son premier client, sa grand-mère utilisant le produit, quand Marc a reçu les premiers « oui » des gens et qu'il a commencé le processus, aussi simple soit-il, c'était un début. Le début peut donc être une incroyable source d'inspiration. Je vais avoir une bibliothèque sans pareil. Et aujourd'hui, j'ai acheté le premier livre de ma nouvelle bibliothèque. Je vais être entouré d'informations et d'inspirations, de cassettes, de vidéos et de livres. J'y ai pensé, ce serait merveilleux, et j'ai commencé à faire des projets. J'ai prévu de l'espace dans ma chambre pour ma nouvelle bibliothèque, mais voici ce qui est passionnant. J'ai reçu le premier livre aujourd'hui. J'ai commencé. Ce n'est que le premier d'une longue série de livres. C'est le premier de tout un flux d'informations pour moi. C'est la première fois. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence et vous vous inscrivez à un cours. Disons que vous voulez apprendre la comptabilité ou autre chose. Vous vous inscrivez au cours et prenez le premier cours, vous commencez. Vous y avez réfléchi, vous avez fait des plans, vous avez pris le temps. Mais il n'y a rien de tel que de s'asseoir dans la classe, le stylo à la main et le bloc-notes prêt à prendre des notes. Me voici, je commence un nouveau voyage d'apprentissage. Rappelez-vous que commencer est une fantastique source d'inspiration, que planifier est une source d'inspiration incroyable, que décider est une source d'inspiration inouïe, mais que commencer ne dure qu'un temps. Si vous commencez cette première semaine et que vous ne continuez pas, oui, vous serez inspiré par la décision, la planification et le début, mais tout cela commencera à s'estomper si vous ne passez pas à la quatrième étape. L'une des grandes sources d'inspiration est la progression. Une fois que vous avez commencé, vous avancez, vous progressez, vous allez en classe la deuxième semaine, vous allez en classe la troisième semaine. Mais il ne s'agit pas seulement de progresser en termes de temps, il s'agit de progresser en termes de ce que vous apprenez, de progresser en termes d'obtention d'informations que vous n'aviez pas découvertes auparavant. Et maintenant, vous êtes enthousiasmé par ce progrès. L'une des plus grandes sources d'inspiration est le progrès. Lorsque vous commencez à faire le tour du pâté de maison en jogging et qu'au début c'est un peu difficile, puis que c'est deux pâtés de maison, puis que vous le faites 4 ou 5 fois, puis que vous remarquez que vous respirez mieux, que lorsque vous montez un escalier vous n'êtes pas essoufflé et il vous vient à l'esprit, dans un laps de temps assez court, que vous faites des progrès avec ces incroyables produits Herbalife. Lorsque les gens commencent à prendre les produits et qu'ils ont des problèmes de santé et qu'ils se disciplinent, ils le font le premier jour, le deuxième jour, la première semaine, la deuxième semaine. Mais ce n'est pas long s'ils ont besoin de perdre du poids. Vous savez, 1 livre ou 2, 4 ou 5 livres, c'est incroyablement excitant. Vous n'avez pas besoin d'attendre 50 livres, vous n'avez pas besoin d'attendre 100 livres. Vous savez, perdre 1 ou 2 kilos en progressant, en ayant plus d'oxygène dans vos poumons, vous pouvez dire en peu de temps « Je progresse dans mon alimentation en oxygène, je progresse dans ma perte de poids ». Ensuite, lorsque vous commencez à faire des progrès dans votre entreprise, dans votre capacité à établir des contacts, dans votre capacité à parler aux gens, alors que vous étiez si timide, vous décidez un jour « Eh bien, j'en ai assez d'être trop timide. J'ai pris la décision, je fais des projets, je vais commencer à parler aux gens. » Et vous commencez. Au début, c'est difficile, mais ensuite, très rapidement, et ça ne prend pas 1 an, je vous le dis, ça ne prend pas 1 mois, ça ne prend pas 1 semaine, je vous le promets, même si vous êtes un peu timide, si vous commencez à vous présenter, si vous commencez à parler à quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé auparavant, vous commencerez, je vous le promets, dans un laps de temps assez court. Parce que 2 choses se produisent. La première est la décision de surmonter un handicap, mais aussi la compréhension qu'avec cette nouvelle compétence, maintenant avec cette nouvelle capacité et avec mes progrès, il est impossible de dire ce que je peux accomplir. Parce que si je peux surmonter la peur de parler à 1 personne, je peux surmonter la peur de parler à 10 personnes, à 50 personnes, à 100 personnes. Et lorsque j'arriverai à 50 personnes et à 100 personnes, ma confiance en moi sera si forte, mon estime de soi sera si élevée, ma nouvelle compétence montrera des progrès si incroyables que je ne reviendrai jamais aux anciennes façons de faire. La progression est donc une incroyable source d'inspiration. Le bonheur, c'est le progrès. Le malheur, c'est simplement l'absence de progrès vers un objectif prédéfini. Si vous ne progressez pas, c'est là que le malheur s'installe. Mais c'est là que le bonheur commence, en progressant. Il n'est pas nécessaire d'y arriver d'un seul coup, il n'est pas nécessaire de l'obtenir immédiatement. Mais tant que vous progressez, tant que le progrès fait partie de votre expérience, c'est une fantastique source d'inspiration. La prochaine source d'inspiration est la réalisation. Lorsque vous avez enfin atteint l'objectif que vous vous étiez fixé,
je veux avoir autant d'expérience, être capable de faire ceci dans 30 jours, dans 60 jours, dans 6 mois, et que finalement, ces 6 mois passent, et que vous êtes là, que finalement le temps passe, et que la compétence commence à être peaufinée, qu'elle est si unique et efficace, la réalisation est une source d'inspiration incroyable. Mais ce que nous remarquons, c'est que lorsque vous réalisez ce que vous aviez prévu au départ, lorsque vous avez décidé et planifié, que vous avez commencé et que vous avez progressé, lorsque vous réussissez enfin, cette réalisation n'est pas beaucoup plus inspirante que la décision initiale. C'est un autre type d'inspiration. C'est un autre type de sentiment que celui d'être arrivé, sachant qu'il vous reste beaucoup d'autres objectifs à atteindre, beaucoup d'autres endroits où vous voulez aller, beaucoup d'autres choses que vous voulez faire, la personne que vous voulez devenir. Mais au moins, j'ai atteint celui-ci. Vous savez, je l'ai fait. Je me souviens qu'à une époque, je souhaitais me lancer dans la formation et l'enseignement. Je rêvais d'organiser des séminaires car j'avais vu des gens qui exerçaient un effet magnifique sur leur auditoire. Ils utilisaient le langage de manière si prodigieuse que je sentais une alchimie se produire dans leur cœur, leur âme, leur esprit et leur vocabulaire. Ce mélange d'éléments était présenté à l'auditeur pour qu'il l'entende, à son cœur pour qu'il y croie et à son esprit pour qu'il comprenne que la magie la plus incroyable pouvait se produire. Je me suis dit, si je pouvais faire cela, ce serait la meilleure sensation au monde. Plus tard, j'ai envisagé un autre objectif que je n'atteindrais probablement jamais, celui d'être chanteur, de ne pas seulement dire la poésie, de ne pas seulement utiliser le langage, mais de le chanter en l'accompagnant de musique. À mon avis, c'est probablement l'impact le plus impressionnant que l'on puisse avoir sur une personne, un groupe ou un public. La capacité de communiquer un message, un poème, des paroles, ce que l'on ressent ou ce que l'on sait, par le biais de la musique et des chansons. Pour moi, c'est l'impact le plus incroyable qu'un être humain puisse avoir sur un autre ou sur un public. Mais à côté de cela, il y a le fait de pouvoir ressentir des idées fortes et d'avoir la capacité de les mettre en mots, de les traduire en langage, de les faire passer par l'émotion, de les mélanger à l'expérience, vous savez, et à tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur et dans votre âme, et de les transmettre du mieux que vous pouvez, même comme je le fais aujourd'hui, à un public invisible. Mais comme je peux visualiser le public et ce qu'il va devenir à partir d'ici, et ce qu'il pourrait devenir plus tard, ce qu'il atteint même en ce moment, cela m'inspire à faire de mon mieux, à trouver des idées qui seront significatives et utiles pour moi. C'est l'expérience la plus incroyable, vous savez, la chanson que je n'atteindrai jamais, parce que, vous savez, je n'ai pas ce talent exceptionnel. Mais à côté de cela, je vous le dis, vous pouvez avoir l'effet le plus incroyable sur quelqu'un d'autre, sans aucun doute. Vous pouvez stimuler l'imagination de quelqu'un, vous pouvez atteindre cette réalisation, vous pouvez être là, être la personne que vous avez souhaité être et accomplir enfin les objectifs dont vous avez rêvé. Si vous puisez à la source de la décision cette inspiration, et l'inspiration de la planification, l'inspiration du commencement et l'inspiration de la progression, alors vous connaîtrez cette incroyable inspiration de la réalisation, d'y arriver enfin, d'être enfin cette personne, d'accomplir enfin ses objectifs. Et c'est ce qui est passionnant avec Herbalife. Nous avons l'occasion de pratiquer tout cela tous les jours. Tout cela fonctionne chaque jour simultanément. Et simultanément parce que certains d'entre vous sont en train de réaliser et de décider. Et peut-être que vous avez réalisé et décidé le même jour. Parce que ce que vous avez réalisé, vous avez décidé de le multiplier maintenant par 2, par 3, par 5. Il est donc étonnant de constater que l'on peut planifier et décider, commencer et décider autre chose. Vous pouvez faire des progrès dans un domaine et décider d'en commencer un autre. Tout cela peut arriver, surtout dans notre vie sociale et professionnelle combinée à notre vie spirituelle et à Herbalife. Tout cela peut arriver en même temps. Vous savez, c'est extraordinaire d'aller à Salinas, en Californie. Salinas est appelée la capitale mondiale de la laitue. Le sol y est si riche que c'en est incroyable. Non loin de là, Castroville est la capitale mondiale de l'artichaut, et à quelques kilomètres de là, Gilroy est la capitale mondiale de l'ail. Chaque année, un festival de l'ail y est organisé. Plus de 300 000 personnes viennent de partout à Gilroy, en Californie, pour participer au festival de l'ail. Non loin de là, il y a un endroit appelé Watsonville, et Watsonville, en Californie, est connue comme la capitale mondiale de la fraise. Vous pouvez visiter toutes ces petites villes en très peu de temps. Cela ne prend qu'une demi-journée. Et pourtant, ce sont les capitales du monde en termes de productivité. La raison en est que le sol est si particulier que dans ces régions, il est possible d'obtenir 2 ou 3 récoltes par an. Comme vous le savez, la plupart des pays du monde se limitent à une seule culture par an. Le printemps, la récolte d'été et l'hiver. Mais dans cette région, il est incroyable de voir les agriculteurs récolter dans un champ et planter dans le champ voisin, récolter et planter le même jour. Ils récoltent, ils plantent. C'est tout simplement phénoménal.
Mais vous savez que c'est vrai pour Herbalife. Vous pouvez récolter et planter le même jour. Vous pouvez réaliser et décider en une seule journée. Vous pouvez progresser dans un domaine et avoir réalisé quelque chose dans un autre domaine. Le tout mélangé, le tout se produisant simultanément, en même temps. Je voulais attirer votre attention sur ce point afin que vous puissiez comprendre à quel point nos vies sont affectées par les affaires que nous menons, notre vie sociale, notre vie religieuse et notre vie communautaire. Mais surtout, la possibilité qu'offre Herbalife de faire fonctionner tout cela simultanément. Décider, planifier, commencer, progresser et atteindre. Voici les sources d'inspiration que vous apprécierez. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.